Bonjour à tous et bienvenue sur OlympFit, c'est Alex et aujourd'hui nous allons voir un exercice pour le dos. C'est un mouvement qui ressemble beaucoup au rowing inversé que vous pouvez voir en cliquant ici. Par contre, cette fois-ci, au lieu de tirer dans le plan horizontal comme au rowing, nous allons tirer dans le plan vertical. Donc c'est un mouvement qui ressemble beaucoup aux tractions. Et du coup, il est très intéressant pour les débutants qui n'arrivent pas encore à faire leur première traction. Il peut les aider à progresser très vite. C'est un exercice qui peut aussi être utilisé pour une personne qui veut diversifier son entraînement du dos, ajouter un nouveau mouvement et avoir des nouvelles sensations. Ça reste un exercice qui est très efficace pour développer la musculature des grands dorsaux. Et en plus, il est très facilement modulable en intensité. Je vous montre tout de suite de quoi il s'agit. Pour faire ce mouvement, j'ai tout simplement besoin d'un rack, d'une cage à squat ou d'un cadre guidé sur lequel je pose une barre et devant laquelle je vais poser un banc incliné à 45 degrés. Ensuite, je me mets en position, comme si je voulais faire des tractions. Donc je prends la barre avec une prise en pronation ou en supination. Je pose les pieds sur le banc devant moi. Et à partir de là, je tire. Tout simplement. Donc c'est un exercice qui est plus simple que les tractions à poids de corps. Et en plus, je peux me lester en mettant un poids sur le bassin. Donc je vais montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc si vous avez un partenaire pour vous mettre le poids sur le bassin, c'est beaucoup plus facile. Sinon, je me débrouille. Comme vous avez vu, c'est un exercice qui est très simple, mais qui est extrêmement efficace. Vous pouvez le faire dans n'importe quelle salle de musculation, vous n'avez pas besoin de beaucoup de matériel. Personnellement, je l'utilise en complément des tractions, comme un exercice supplémentaire de tirage vertical, mais je le conseille aussi à tous les débutants qui n'arrivent pas encore à faire des tractions. C'est un excellent mouvement qui va leur permettre de progresser très vite. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de partager sur vos réseaux sociaux. Abonnez-vous pour rester informé de mes nouvelles vidéos et je vous dis à très bientôt sur OlympFit.